Hello tout le monde, c'est Agathe de La Pensée Colorée. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un live que j'ai intitulé Être indulgente envers soi-même, pourquoi quand et comment lâcher prise Alors, comme j'aime toujours le, le faire, euh, c'est vous expliquer euh, d'où m'est venue euh, cette idée, euh, puisque je m'inspire euh, très souvent euh, de, de mon vécu, de mon quotidien, justement pour euh, pour partager avec vous bah, des prises de conscience que j'ai, des, des petites astuces, euh, des choses que, que je vis et euh, qui me semble intéressant de, de de partager avec vous. Alors. Euh, que je vous explique, donc ces derniers temps, euh, bah, si vous m'avez peut-être suivi, euh, je vous avais expliqué que j'étais allée euh, voir un, un chaman pour euh, une, une séance euh, chamanique, un soin chamanique, voilà. Non, c'est pas un soin chamanique, enfin voilà, une séance avec un, avec un chaman. Et euh, une des choses qu'il m'avait conseillé, c'était de… de de respirer euh, tous les jours avec une certaine méthode et euh, ben de faire ça déjà pendant trois jours et puis de faire un premier point, puis euh, de refaire un point au bout de dix jours, au bout de vingt jours et au bout de trente jours. Et euh, bah, j'ai fait mon petit point au bout de trois jours. J'étais très contente d'avoir mis ça en place. Je, je me trouvais, en effet, ça, ça me faisait du bien, ça m'apaisait. Et puis bah, je suis partie en week-end à Montpellier chez une de, de, de mes amies. Euh, on a fait un, un week-end donc sans enfants, euh, sans chéri. Euh, on est allé à la plage, on est allé dîner avec des amis, on a dansé. Enfin, vraiment le, le week-end détente totale. Et là, je dois avoir que j'ai complètement zappé mes petites séances quotidiennes de, de respiration. Alors j'ai pensé une fois, oui, à 4h du matin dans mon lit, et puis je dois avouer que j'ai eu une grosse grosse flemme à l'idée de d'allumer la lumière. Enfin, j'aurais pu le faire dans le noir, mais il fallait que je m'asseille. Enfin voilà. Donc grosse grosse flemme. Et du coup, eh bien, je euh, j'ai arrêté pendant plusieurs jours de faire mes séances de de respiration. Alors je dois avouer que euh, qu'est ce que j'ai pensé quand, quand je m'en suis rendu compte je me suis dit, bon bah ben voilà euh, tu avais commencé à mettre quelque chose en place tu l'as pas tenu euh, c'est vraiment dommage j'ai eu un peu de tendance coucou alessia euh, j'ai eu un peu de tendance d'abord à, à m'accabler vous savez cette petite voix intérieure euh, le petit euh, hamster euh, comme le dit serge marquis là cette euh, ben, notre juge intérieur qui va euh, bah, se mettre à nous dire des choses pas très sympas, à nous juger, à nous accabler. Donc moi j'ai eu cette voix qui est arrivée et euh, il y a encore euh, quelques temps, quelques années, je me serais dit ah bah oui en effet tu vois tu t'es engagé entre guillemets auprès du chaman et puis auprès de moi-même surtout euh, à mettre en place ces séances de respiration. Et puis voilà t'es pas capable de t'y tenir, de toute façon t'es pas capable. Enfin voilà vous savez là où ça se met en route et puis euh, et puis, euh, ben, au bout de cinq minutes, on se sent juste comme une grosse merde qui est pas capable d'atteindre le, n'importe lequel de ses objectifs et euh, qui n'est pas fiable, tout ça. Et en fait, là, non, ben, j'ai commencé à avoir cette petite voix, hein, parce que c'est ce que je dis toujours à mes clientes, en fait, c'est une voix, on va l'apprivoiser, on apprend à euh, ne plus euh, trop euh, y faire attention, à ne plus euh, se laisser influencer par ce juge intérieur qu'on a à l'intérieur de nous, mais il reste toujours là. Euh, C'est exactement comme le petit ange euh, et puis le petit diable, euh, notamment dans, dans les, les bandes dessinées de, de Tintin. J'adore euh, quand, quand le chien Milou a son petit ange et son petit diable là qui sont là euh, à, à lui parler. Bah, C'est exactement la même chose. Ce petit diable, de, ce juge intérieur, mais bah, on l'aura toujours dans notre tête. Et donc, ça va être juste de l'apprivoiser et puis d'apprendre à bah, ne plus trop y faire attention. Donc moi, dans ce cas de figure là où bah, je n'ai pas réussi à, à tenir mon objectif de, de respiration, je me suis bah oui, en effet, je n'ai pas tenu, mais bah, j'ai décidé d'être indulgente avec moi-même et de me poser, j'aime bien dans ces cas-là, me poser cette question est-ce que c'est grave Parce que sincèrement, est-ce que euh, la Terre s'arrête de tourner euh, juste parce que Agathe Derbin n'a pas fait ses respirations pendant quelques jours Non. Alors là, bien sûr, euh, c'est du grand « mais ». Mais c'est de me dire, moi, en effet, pourquoi en fait de, de réfléchir à « ok, pourquoi j'avais besoin de respirer ?» Pour être plus détendu, pour être moins stressé, pour accueillir justement aussi beaucoup mieux mes émotions, euh, mieux les gérer, euh, parce que bah, si vous me suivez un petit peu en ce moment avec mes enfants, c'est pas toujours évident. Il y a des moments où j'ai une grosse colère qui ressort. Donc tout ça, c'était cette respiration, c'est pour mieux appréhender tout ça. Et euh, bah, le fait de ne pas avoir pris cette habitude pendant quelques jours, de l'avoir lâché. Non, en plus c'était des moments ça a été pendant des jours où j'étais très très bien où j'étais super zen, super détendue. Donc finalement, est-ce que j'en avais vraiment besoin Peut-être moins que dans d'autres dans d'autres circonstances. Et puis surtout ce que je me suis dit OK, je m'étais fixé euh, ce cet objectif de tenir 3 10 20 et puis 30 jours à, à faire mes respirations, ben j'ai pas tenu. So what, comme disent les, les Américains. Ben je peux recommencer quand je veux. C'est pas grave finalement. Ok, ben, j'ai pas tenu, mais, euh, ben je peux recommencer quand je veux et puis je peux essayer de tenir les trois jours, puis les dix jours. Peut-être que j'arriverai à tenir trente jours dès, dès que je vais recommencer. Peut-être que je retiendrai que dix jours. Et puis je recommencerai, mais ce n'est pas grave finalement, parce que euh, ma vie n'est pas en jeu, la vie de personne n'est en jeu, c'est juste quelque chose, un objectif de bien-être que je me suis fixé, mais que je peux recommencer. Et ça, euh, je me rappelle très bien. C'était il y a, ça doit être il y a deux ou trois ans, je sais plus. Je m'étais mise à faire de la méditation, et puis j'avais une petite application qui, euh, je faisais de la méditation tous les jours et qui chaque jour en fait me mettait à un petit point sur mon calendrier euh, quand j'avais fait ma méditation. J'étais très fière de moi, de de m'y tenir tout ça. Et puis je m'étais fixée de tenir au moins 100 jours de, de méditation. Et puis bah j'ai pas réussi. Et je me rappelle très bien avoir, il y avait un Seul jour où je n'avais pas fait ma méditation et j'avais vraiment vécu ça comme un échec en me disant, mais voilà, et puis oh là, c'était de toute façon, t'es qu'une merde, t'es pas capable de tenir 100 jours à méditer. Et finalement, pourquoi Enfin, ça n'avait aucune incidence. J'ai quand même repris le lendemain, mais. Euh comme je m'étais fixé cet objectif j'avais l'impression qu'il fallait que je m'y tienne absolument et c'est là où ça va être hyper important de se laisser une certaine latitude d'avoir de l'indulgence vers soi-même et puis de, de se dire ben voilà quelles sont euh, justement les, les choses que je peux me permettre dans l'objectif que je me suis fixé bonjour Fabienne euh, alors Alessia me dit aussi se poser la question c'est quoi le cadeau caché dans cette défaillance tout à fait c'est aussi ben voilà voilà. Se dire, euh, moi là, en arrêtant, en, en me disant, bah ok, j'ai été plusieurs jours sans faire la, ma respiration. Eh bien, j'accueille et je euh, j'apprends à lâcher prise justement. C'est c'est de se dire, ben bah, voilà, il y a trois ans, euh, j'aurais été euh, à euh, me critiquer, à m'en vouloir, à me juger. Eh bien aujourd'hui, euh, bah, je lâche prise là-dessus. Et puis ma vie continue et je ne vais pas plus mal. Au contraire, je vais encore mieux parce que j'apprends à lâcher prise. C'est exactement la même chose. Après, je pense qu'il faut aussi apprendre à, à se connaître parce qu'il euh, y a des personnes qui vont très facilement euh, se mettre à avoir un rituel, une routine euh, et s'y tenir sans aucun souci euh, parce que ça va être des personnes qui vont être peut-être très carrées, qui ont besoin d'un cadre. Et puis il y a d'autres personnes dont je fais partie. Euh, qui ne vont pas être pareilles. Et moi, là, je prends aussi conscience, et c'est tout à fait ça, Alessia, en fait, espèce de cadeau de la vie. Où en fait, moi, là, il y a plusieurs expériences dernièrement qui me font prendre conscience que moi je ne suis pas faite pour ces rituels qui sont que l'on a un peu tendance à s'imposer et à suivre moi j'ai besoin de diversité j'ai besoin de liberté et en fait dès que je me mets à faire toujours la même chose euh, pendant un moment et eh ben je me sens en fait euh, euh, oppressée comme dans un carcan et ça ne me convient pas un autre exemple euh, j'avais acheté le livre de Lilou Massé là le défi des 100 jours c'était pour travailler sur l'argent celui-ci euh, et euh, en fait, un bel indice, déjà quand j'ai acheté le bouquin, que j'ai vu le pavé là, qui fait 500 pages, rien que là, moi, j'ai senti un peu à, une montée de stress en me disant, wow, c'est quand même super épais. Euh, donc, j'aurais dû me douter que bah, ce n'était pas fait pour moi, mais j'avais envie de tenter parce que, bah, voilà, je voyais tous ces défis des 100 jours. Et puis j'ai commencé, alors je crois même que j'ai pas commencé le jour J parce qu'on commence un week-end et c'était un week-end où j'étais je ne sais plus où mais j'avais pas du tout envie de me trimballer avec mon, mon pavé de 1 kg pour, pour commencer le défi des 100 jours. Et puis bah résultat, euh, je pense que j'ai tenu 10 jours euh, en loupant la moitié des jours et très rapidement ça m'a saoulée. Euh, c'était c'est pas du tout un truc pour moi. Et là encore, j'aurais pu me dire, bon, bah, je ne sais plus combien, j'avais payé 20, 25 euros le bouquin, c'était quand même dommage d'avoir commencé et de ne pas être allé jusqu'au bout. Ouais, mais en fait, c'était une telle contrainte, un tel truc qui ne me correspond pas, que, euh, bah, en fait, ça m'a fait beaucoup plus de bien d'abandonner ce défi que de m'y tenir absolument en me disant ouais 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 il y en a qui arrivent moi aussi je dois y arriver ben non moi les défis des 100 jours c'est pas un truc pour moi un autre exemple aussi ben, je sais pas si vous quand vous, vous me suivez euh, j'avais lancé en juin dernier ma routine colorée où je prenais chaque jour une photo d'une couleur qui attirait mon regard, qui me faisait du bien. Et ça, j'ai tenu, euh, alors il faudrait que je regarde, mais je pense que j'ai tenu dix euh, mois où tous les jours, tous les jours, j'ai posté ma photo. Et euh, je le faisais vraiment parce que ça me faisait plaisir. Et puis que de toute façon, euh, les couleurs, c'est ma vie, c'est mon univers. Mais dernièrement, je sais pas, j'ai commencé à sentir. Déjà, j'avais fait un peu une overdose de réseaux sociaux, donc j'ai continué, bien entendu, à regarder les couleurs dans la rue, à prendre ma tasse le matin et de choisir la couleur qui me fait du bien ce matin-là. Mais j'ai arrêté de prendre des photos d'immortaliser ce moment et puis de le poster sur sur les réseaux sociaux. Et initialement, je m'étais dit, ben, je vais faire ça au moins pendant un an. Et au début, je me suis ah ouais, c'est dommage, j'ai arrêté ma routine colorée. Oh non, je ne l'ai pas arrêté parce qu'au fond, de moi, je continue à la vivre. C'est juste que j'ai cessé de, de, de publier sur les réseaux sociaux. Et ben en fait, j'ai décidé d'être indulgente avec moi-même, de l'accepter, puis de me dire, ben voilà, je passe à autre chose, je communique d'une autre façon sur les couleurs. Enfin voilà, c'est toujours au fond de moi, mais euh, je n'ai pas besoin de m'imposer quelque chose qui devient une contrainte. Et qui n'a pas réellement besoin euh, d'être une contrainte. Alors je vois un petit peu plein de, de, de commentaires. Alors je regarde bon, Fabienne, oups, ça a posté deux fois. Ah ouais, laissez-moi ça y est qu'une fois, t'inquiète pas. Euh, Fabienne, tu me dis je fais des trackers pour ça. Alors c'est quoi un tracker euh, Et puis alors je sais pas à quel moment tu, tu as posté ça. Mais ben, si tu peux juste nous expliquer dans quel contexte et de quoi il s'agissait, que je puisse rebondir. Euh, ouais. Alessia, c'est un peu le revers de la médaille de ces systèmes de training. ouais en fait, il y a des personnes avec qui, à qui ça va bien correspondre, qui ont vraiment besoin d'être dans un cadre, et puis d'autres pas. Et on ne peut pas s'adapter à tout. Enfin, oui, bien dans certaines circonstances, il va être nécessaire de s'adapter, mais quand il s'agit de bien-être, ça va complètement à l'encontre de l'objectif du, du bien-être que, que l'on se fixe. Euh, le tracking alors, je ne suis pas sûre de, de savoir exactement de quoi vous parlez, là, Alessia et Fabienne. Alessia, tu dis la routine, c'est rassurant. Oui, ça peut être rassurant pour certaines personnes, mais là, je pense que ça dépend vraiment euh, de type de caractère, de, de nos valeurs. Moi, j'ai cette, cette valeur de liberté, et puis, euh, justement, de ne pas me sentir obligée de, de faire certaines choses. Et les routines, euh, ben, ça... Ben ouais, moi ça a plutôt tendance à, à m'oppresser. Mais de toute façon, ça se voit dans la vie de tous les jours, au quotidien. Ce, je sais plus si un jour j'avais partagé. Moi, j'ai besoin de déplacer, de changer. Euh, les meubles du salon plusieurs fois par an parce que ben voilà je peux plus supporter d'être dans exactement le, le même cadre Alors comme je peux pas déménager tous les ans ben voilà je je, je change la dispo du, du salon et j'ai l'impression d'être dans un nouvel appartement entre guillemets mais voilà je pense que chaque personne puis il y a des personnes au contraire où le défi des 100 jours de pouvoir se poser chaque jour de réfléchir ça, ça va leur faire du bien ça leur met un cadre dont elles ont besoin et justement c'est l'indulgence c'est d'apprendre aussi à se connaître et et euh, bah, de se fixer des limites parce que si on ne se met pas de cadre aussi, on peut partir en live dans, dans tous les sens. Parce que par exemple, ce que, cela, ce que, ce que je partage de, de euh, lâcher prise sur certaines choses, euh, c'est à adapter en, bien sûr en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. Parce que si on s'est fixé par exemple un objectif de, on est au chômage, on, on veut changer de boulot et on s'est fixé de, de se, se trouver un nouveau job, euh, bah, si à chaque fois qu'il y a un truc, on se dit ah, « bah tiens, euh, 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 je me je, tous les cinq jours par semaine euh, je me mets à chercher du boulot euh, et que euh, bah, quatre jours de la semaine vous n'y mettez pas là en effet euh, bah, c'est pas ça va pas être avoir de l'indulgence ou du lâcher prise, ça va être juste bah, de ne vraiment pas du tout se tenir à un objectif. Et donc, c'est important de, de se fixer des limites. Mais par exemple, si vous êtes fixé de chercher un job cinq jours par semaine, et puis que bah, pendant quatre jours, vous y êtes vraiment mis à fond, euh, que vous avez été vraiment super efficace, et puis que le vendredi, bah, vous êtes un petit peu fatigué, qu'il fait super beau, et que vous ressentez le besoin d'aller faire une balade en forêt ou d'aller vous poser dans un parc sur un banc pour bouquiner là c'est ça avoir de l'indulgence et puis se dire bah ben, ouais là je suis je suis fière de moi de, de ce que j'ai accompli pendant pendant quatre jours ce sera le sujet d'un autre live d'ailleurs euh, j'ai été vraiment bonne pendant quatre jours Ouais, là euh, je mérite aussi bah, de me faire plaisir, tout ça, c'est pas grave, euh, euh, je, je peux prendre ce temps pour moi, et puis je m'y remets vraiment de toute façon à fond euh, dès lundi. Là, là, ça va être efficace. Et puis, oui, il faut aussi, euh, enfin, on est aussi sur Terre pour, euh, pour vivre une vie euh, qui nous fait du bien, qui nous nourrit. Donc, euh, il faut aussi savoir de temps en temps s'accorder des, des petits des petits bonheurs. Euh, alors, euh, la euh, Fabienne... Dans le Miracle Morning, il y en a six à faire et des fois je fais à l'envers et je laisse faire car tout est fait quand même. Ben voilà, c'est aussi se dire. Euh, alors moi, le Miracle Morning, c'est un truc que je ne peux pas euh, parce que ben, alors déjà la routine et puis en plus dès le matin, alors que je ne suis pas du matin, euh, pour moi c'est le truc inconcevable. J'ai essayé, j'ai tenu deux jours et oh, j'étais encore plus crevée avec moins d'énergie, tout ça. Donc c'était vraiment pas le truc pour moi. Mais euh, là encore, il y a des personnes pour qui le Miracle Morning est tout à fait euh, adapté. Et en revanche, bah, tu vois, Fabienne, c'est exactement ce que tu dis. Alors, je ne me rappelle plus où ouais, on doit normalement faire un petit peu la routine toujours dans le même ordre. Et ben si toi, ça te fait du bien de le faire à l'envers, de le faire différemment, justement, et que ça te permet de tenir, ben voilà, super, parce que tu connais ton mode de fonctionnement, tu t'adaptes. C'est ça aussi, c'est toujours s'adapter à, euh, à euh, ce que, ce que, ce que l'on a prévu. Euh, et à s'adapter à un moule, s'adapter à euh, une routine, tout ça, c'est la, 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 meilleure, la meilleure chose à faire selon moi. Fabienne, les 100 jours, je ne pourrais pas, je confirme, euh, tu t'essouffles de tout ça. Voilà, exactement, il y a, il y a certaines circonstances où en fait, ça, ça va juste être un essoufflement tout à fait. Et au lieu de... Bah, d'apporter l'énergie que, que toutes ces routines sont censées nous apporter, bah, quand on sent que c'est un essoufflement, eh bien, il vaut mieux arrêter et puis passer à autre chose. Euh, j'ai deux de mes clientes, la dernière fois, on parlait méditation, elles ont du mal à s'y mettre. Et puis, euh, c'est terrible parce que qu'en fait, euh, et j'ai connu ça aussi, par exemple, de se dire, bah, commencer par de la méditation, se dire, je vais tenir 20 minutes de méditation, et puis décrocher au bout de 5 minutes. Eh bien, ok, tu décroches au bout de 5 minutes, eh bien, demain, tu tiendras 6 minutes. Mais surtout, ne pas essayer, coûte que coûte, de tenir les 20 minutes absolument, parce que c'est ce que tu t'es dit. En fait, ça, ça va être pire que tout. Ça va être une contrainte euh, euh, incroyable et ça va vraiment aller à l'encontre de ce qu'on cherche à, à faire. Euh, « Le tracker, c'est une grille de calendrier avec des cases à cocher. » D'accord, ok. Ben bah ouais, bah c'était exactement le, le même euh, style de, avec l'application que j'avais pour euh, la méditation qui me mettait un point sur, euh, sur les, les jours où j'avais médité, ouais. Donc, c'est exactement ça. Euh, euh Alessia dit on fera le miracle evening mais oui tout à fait parce que bah, c'est ce que euh, le docteur Michael bruce avec les chronotypes avait expliqué il y a des gens qui sont du matin il y a des gens qui sont du soir lui il l'a vraiment prouvé scientifiquement donc euh, les gens qui euh, bah, comme toi et moi Alessia euh, sommes du soir bah, euh, ouais finalement de toute façon moi c'est ça hein. alors après j'ai des enfants c'est différent mais euh, si j'étais toute seule je pense que je bosserais complètement décalée et euh, que d'ailleurs ben, je ne sais pas si vous vous souvenez mais euh, quand, quand je suis toute seule euh, que, que mes enfants et mon chéri sont par exemple en week-end euh, moi je fais euh, des lives à 21h et je pète la forme et, et j'adore ça et euh, ben, là encore c'est de, de bien se connaître, être indulgent avec soi-même et puis aussi arrêter Toujours de se comparer, parce que bah, le Miracle Morning, il y a plein de gens à qui ça convient, qui vont être au taquet, qui vont le faire, et puis on peut être en admiration devant ça. Euh, C'est exactement la même chose, la méditation. Il y a des gens qui vont méditer pendant une demi-heure, trois quarts d'heure sans aucun souci, et puis d'autres qui vont avoir des, beaucoup de difficultés à réussir à rester dedans pendant cinq minutes, mais il faut toujours se dire aussi d'y aller progressivement. Je trouve que c'est super important. Et euh, bah justement, là, j'en je, je, profite pour rebondir sur un autre sujet en ce moment, moi, qui est très d'actualité au niveau du lâcher prise, de l'indulgence envers moi-même, bah, c'est en tant que maman, en fait, parce que bah, j'ai deux enfants, un de bientôt 7 ans et puis euh, le plus petit qui a 3 ans et demi. Et euh, comment dire bah, En fait,. Euh, ils sont pas parfaits, bien entendu. Je ne suis pas une maman parfaite. Et euh, bah, j'ai vraiment décidé ces derniers temps de lâcher prise là-dessus parce que, euh, en fait, on nous met notamment sur les réseaux sociaux, euh, tout est toujours parfait. Les gens ne partagent bien entendu que leur quotidien qui va bien, euh, que les super moments, de super bonheur en famille euh, où tout est parfait, tout le monde est beau. Et... Et euh, dans, dans tous les domaines, hein, d'ailleurs, que ce soit sur le côté professionnel, enfin surtout, les gens, bien entendu, ne partagent que le positif. Et donc, euh, quand on passe du temps, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, euh, on, on voit des images de, de bonheur absolu, un petit peu de, de, de famille parfaite, de, de salarié parfaite, enfin, tout tout, tout d'entrepreneur parfaite. Enfin, tout semble euh, juste euh, rouler euh, comme sur des roulettes pour, euh, pour les autres. Et… Euh, je pense qu'il est important justement de, de garder en tête que oui, les gens ne partagent que le positif. Je ne sais pas si vous avez vu, moi depuis quelques temps, je partage mes photos de lâcher prise euh, avec mes enfants, justement, où euh, la cuisine est en bordel, il euh, y a des Legos partout dans le salon, euh, Auguste s'est mis de la glace, mais jusque dans les cheveux, sur le t-shirt. Et j'ai décidé, ben oui, je ne suis pas une maman parfaite. Et puis euh, Auguste n'est pas l'enfant idéal parfait euh, qui pourrait être habillé euh, tout en blanc pendant toute la journée sans se salir. Et ben déjà euh, un gros constat, euh, ça fait un bien fou d'arrêter hein, de d'essayer de, 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 de tendre vers la perfection je pense que auguste aussi ça lui fait du bien et euh, moi aussi ça me permet euh, d'arrêter de faire des lessives euh, trois fois par jour parce que euh, euh, je change le t-shirt le pyjama euh, à longueur de temps et euh, non seulement j'ai plus d'indulgence envers moi-même, mais je me rends compte que j'ai plus d'indulgence en fait envers les autres personnes. Parce que maintenant, moi, quand je rencontre... Parce que moi, j'ai été euh, à un moment, euh, mes fils euh, devaient être toujours très bien habillés. Et puis, euh, s'il y avait une tâche, on changeait le t-shirt. Euh, non, on ne pouvait pas aller au parc avec un, un short qui n'était pas nickel, tout ça, alors que c'était complètement absurde puisqu'ils reviennent du, du parc. Euh, juste crado quoi et euh, et je pense, enfin oui, non, mais je, je vais être honnête. Quand je voyais un enfant dans la rue qui était plein de taches sur ton t-shirt, je regardais à la mère en me disant « elle peut pas lui changer son t-shirt ». quoi. J'étais vraiment dans le jugement. Et aujourd'hui, bah déjà, je suis beaucoup moins dans le jugement avec moi-même, avec mes enfants. Et quand je vois une maman avec son fils qui a euh, euh, soit du feutre, parce que moi, Gaspard, euh, Auguste, je le récupère de l'école, il a du feutre partout, il s'en est mis partout. Il a de la peinture dans les cheveux, il a de la peinture sur ses gilets. Euh, et bon, bah les tâches de peinture, il y en a certaines qui ne partent pas, et je vais pas pour le pour autant jeter le le, le le gilet. Et maintenant, moi, quand je vois des enfants qui sont comme ça, je regarde les mamans avec beaucoup de bienveillance, euh, et ça me fait sourire. Mais euh, Ouais, c'est vraiment un sourire bienveillant parce que bah, je comprends la maman et puis je suis plus du tout à, à me dire mais c'est pas possible comment ose-t-elle sortir avec son fils euh, <laughs> au t-shirt taché bah, juste parce que probablement si elle changeait le t-shirt ce serait à nouveau la même chose cinq minutes après donc euh, et et oui et j'ai partagé d'ailleurs ce matin une une comment ça s'appelle une petite BD de, de Matou euh, qui m'a beaucoup fait rire parce que c'est tout à fait d'actualité où il y a la maman avec sa, sa fille parfaite euh, et puis euh, qui est en train d'expliquer que ben, pour elle tout se passe bien elle a que sa fille est super sage tout ça ouais ça c'est souvent souvent la, la façade et euh, et généralement, enfin, j'en parlais justement avec des amis en disant mais nous des fois dès le matin il y a des colères euh, d'Auguste dès le matin on est obligé de mettre le cadre c'est épuisant et euh, bah, j'ai des amis qui sont gardiens d'immeubles qui me disaient mais Agathe tu sais euh, nous tous les matins on voit défiler tous les parents avec leurs enfants qu'ils emmènent à l'école et tout le monde est comme ça c'est juste la vie c'est juste bah, on a des enfants qui sont vivants donc oui ils rentrent pas exactement dans les cases c'est pas des enfants sages comme euh, on voit dans les bouquins euh, euh, c'est pas non plus... Euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très culpabilisateur en ce moment, ben, c'est tout justement, toutes ces... ces... Bah, ces histoires de de coaching de communication non violente de tout ça enfin oui oui c'est très bien de mettre certaines choses en place d'essayer tout ça, mais tout ne fonctionne pas et on euh, bah, on peut pas d'un claquement de doigts comme ça avoir euh, bah, les enfants euh, parfaits et non on a des enfants vivants donc apprenons à être indulgents avec eux mêmes avec nous mêmes aussi euh... Et ça fait ça fait vraiment un bien fou de, de lâcher prise là-dessus. Euh, alors euh, Fabienne, dans le live, dans le livre, il le dit de faire pour soi et pas forcément le matin. Ah oui, d'accord. Ben je ouais, j'avais dû zapper. Euh, bon, là, tu parles du Miracle Morning. Euh, j'avais dû zapper cet élément, mais en effet, ben, c'est très bien. Euh, quand on évolue, les idées changent. Tout à fait. Euh, ben, c'est ça aussi. C'est de se dire ben oui euh, j'étais comme ça avant et euh, ben, ça aussi c'est un cadeau de la vie quand tu disais ben, Alessia de voir aussi les, les situations qu'on vit pourquoi sont-elles là et qu'est-ce qu'elles nous apportent et euh, ben moi là j'ai vraiment pris conscience de euh, ben Auguste aujourd'hui euh, il est difficile il se comporte pas comme j'aimerais qu'il se comporte c'est pas euh, le petit garçon tout propre sur lui euh, en fait, il vit sa vie. Et alors lui, pour le coup, il est à fond dans, il est libre. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et il m'apprend à gérer le, le lâcher prise, à, à connecter avec le lâcher prise. Et, et voilà. Donc c'est c'est un cadeau de la vie. Et euh, ben voilà, de, de transformer aussi des situations qui sont pas toujours faciles en disant, ben voilà, qu'est-ce que ça m'apporte Comment je peux m'adapter et euh, euh, ben comment justement je vais lâcher prise sur telle situation euh, pour tes enfants tu auras des photos drôles pour plus tard ben exactement aussi tu vois c'est le côté euh, ben voilà de, de, de montrer je pourrais montrer à Auguste la manière dont il mangeait une glace en s'en mettant partout mais mais, justement, c'était ça que j'avais adoré sur la photo, c'est qu'il avait vraiment de la glace partout, mais il était dans son transat à regarder sa glace avec amour et tu sentais qu'il était à fond dans le kiff. Et c'est ça aussi, c'est de se dire, ben voilà, moi c'est pas ma manière de vivre les choses, ce serait pas la manière dont j'aimerais que ça se passe exactement, mais finalement, Auguste à ce moment-là, il est dans le kiff, il est dans euh, savourer le moment pr présent, l'instant présent, c'est juste extraordinaire parce que les enfants sont un très bon modèle justement pour nous rappeler euh, que bah euh, ben ouais, quand on mange un truc qu'on qu a attendu avec impatience et qu'on a enfin et qu'on le savoure, c'est juste génial. Euh, Alicia, je vais devoir quitter, mais je regarderai la fin tout à l'heure. Bah, de toute façon, euh, bah, je crois que j'ai fait le tour de, de ce que je voulais partager avec vous euh, ce matin. Euh, si vous le regardez en, en replay, n'hésitez surtout pas euh, à me faire part de, de vos commentaires, de vos partages, de vos questions. J'y répondrai euh, avec grand plaisir. Et puis, euh, surtout... Bah, Respirez, soyez indulgente avec vous-même. Euh, euh, oui, fixez-vous des objectifs, mais euh, en ayant toujours une petite marge de manœuvre. Euh, en vous disant que voilà, il a. C'est une question intéressante à se poser dans certaines situations. Est-ce que c'est grave, quoi Ça, euh, euh, je trouve que que c'est vraiment euh, une phrase. Euh, ouais. So what Est-ce que c'est grave Non, ben. Bah, Peut-être que je peux passer à, à autre chose. Et je crois que c'était ma coach qui, des fois, me demandait, est-ce que dans, dans un an, quand tu t'en souviendras, euh, ça aura toujours ce côté grave dont, que tu vis à l'instant présent et, et généralement, la réponse est non. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Mettez en, en pratique au maximum le lâcher-prise. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.